Audience dimanche, beau succès pour Toulouse bat sur France 2, Jarry et tout le monde veut prendre sa place repasse sous les 2 millions de téléspectateurs. 7 à 8, 20h30 le dimanche, tout le monde veut prendre sa place spéciale enfant, 66 minutes. Les audiences de la journée du dimanche 21 janvier 2024. Depuis le 1er janvier 2024, Médiamétrie a fait évoluer sa mesure des audiences de la télévision. Par conséquent, la comparaison des performances des programmes est donnée à titre indicatif et doit être prise avec prudence. Depuis le 1er janvier 2024, Médiamétrie a fait évoluer sa mesure des audiences de la télévision. Par conséquent, la comparaison des performances des programmes est donnée à titre indicatif et doit être prise avec prudence. L'Access Prime Time. 7 à 8 TF1, 3,67 millions, 21,7%. Les enfants de la télé, la suite, 2,35 millions, 12,4%. 66 minutes, le grand format, M6, 2,03 millions, 11,9%. 7 à 8 fait un bond de 2,7 points de part de marché sur une semaine et permet à TF1 de dominer facilement les enfants de la télé, en baisse de 1,2 points de part de marché, sur France 2. Les journaux du soir. Le 20h de TF1, Anne-Claire Coudray, 6,56 millions, 30,1%. Le 20h de France 2, Laurent Delahousse, 4,56 millions, 20,9%. Le 19.45 de M6, Dominique Tenza, 2,77 millions, 13,5%. Ici 19.20 de France 3, 2,38 millions, 12,7%. À 20h, le journal télévisé de la Une fait le plein et parvient à se hisser 0,2 points au-dessus de la semaine précédente. De son côté, Laurent Delahousse voit son journal baisse de 1,3 points sur une semaine sur France 2. Ce léger déclin creuse l'écart entre les deux principales chaînes de télévision françaises. Les jeux. Les 12 coups de midi, TF1, 3,21 millions, 29,2%. Tout le monde veut prendre sa place, France 2, 1,99 millions, 17,0%. Grand Slam, France 3, 1,67 millions, 11,6%. Des chiffres et des lettres, France 3, 890 000, 7,4%. Le jeu de la mi-journée de la Une est en léger déclin sur une semaine et recule de 0,5 points de part d'audience. Pour sa troisième spéciale enfant, Jarry parvient à conserver une audience stable sur une semaine plus 0,1 point, dans Tout le monde veut prendre sa place sur France 2. Pour autant, en nombre de téléspectateurs, le jeu de la mi-journée de France 2 chute sous les 2 millions de fidèles.